Coucou tout le monde, c'est Soj, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le troisième épisode de Haven Colony. Et on va essayer de faire prospérer un peu plus tout ça. Donc déjà, ce que j'ai pensé, c'était sucrer un peu celle-là, hein, la recycler. Et placer une serre à la place. Parce que les serres, c'est le bien. Hop, voilà. Placer une serre à la place, 13,2, 15 de melon. Putain, 15. 15 de melon, bah pas de soucis, on le place là. Hein. Et 7,5 en hiver. Et là, en plus, on pourra placer des bâtiments. Bah tiens, hop, on tombe en hiver. Donc ça, c'est bon. On a récupéré 9 immigrants en plus. La recherche a été terminée. Le vaisseau est arrivé. Le bonheur, tout le monde est content dans la colonie. La criminalité... Ok. Éventuellement, du coup, on va regarder ça. Afficher la portée. Si, pour l'instant on est bien, je pense hein, que ça sert à rien de faire autre chose. Ici c'est quoi ça? C'est une pompe à eau. Énergie insuffisante, barre à grillade. Ah. Politique. Normalement, si je vais là-dedans... libère autant d'électricité que nécessaire dans n'importe quel centre énergétique de la colonie pour restaurer l'énergie de la colonie. On va la cocher. Normalement, du coup, c'est bon. Et par contre, du coup, on va... c'est vrai que ça peut être intéressant, ça. On va l'augmenter. Et on a une nouvelle mission disponible. Rechercher le pain et le gruau en tari. Ok, par contre, là, ils veulent qu'on commerce et qu'on exporte ça. C'est bon. Vitesse de fabrication, usine chimique. Ok, là on en a pas mal, donc pour l'instant on va arrêter, on va produire du sirop de maïs en attendant. Et après on pourra fabriquer du soda. Donc voilà, donc, ça c'est plutôt pas mal. On a l'entrepôt niveau 3 qui est stocké. C'est bon, on est bientôt rendu à 200% en 200 habitants. Et oh tiens, la tour paratonnerre. La tour paratonnerre, elle défend tout là, mais elle défend pas par là. Bon, pour l'instant, faut dire qu'on... Tiens, on va mettre une priorité élevée, comme ça, on va stocker un peu tout ça. L'inventaire. Du zorium, on en a 61. On en a 61. L'énergie. Donc, expliquons-nous un peu tout ça. Panneau solaire, ça produit 26 produits jusqu'à 26, donc ça en produit que 13 l'hiver. Et là, ça en produit tout le temps 6. Générateur azorium produit 360. Ça peut être intéressant. J'hésite en fait. Je pense que pour l'instant on va construire juste le générateur azorium de niveau 1. Ah bah tiens, on peut le placer là. Ah bah ça m'arrangerait en plus. Enfin oui et non au final. Ça m'arrangerait, mais pas tant que ça. C'est un dur dilemme. Ou est-ce que je le place par là-bas? Autrement, je le place ici. Et là, c'est réglé. Telle est la question. Parce que là, je voudrais... Autrement, je place des bâtiments qui me consomment... Ouais. Bah, vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va... Centre énergétique. Ça, c'est automatisé. Hop, on va pouvoir le placer là. Ça, c'est un centre énergétique ici. Ouais. Et on va attendre d'avoir un peu plus de nanite. Filtre à air. Le gisement de fer, il est là, là. On va pouvoir l'améliorer. Un peu. Et on va attendre du coup, d'avoir 27 de nanite.
On va accélérer. Allez, hop, on accélère le temps. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et celui-là, on va pouvoir le supprimer. Recycler. Je sais pas du coup si c'est dispatché à l'autre. Ah non, c'était pas dispatché aux autres. Ok. Donc par contre, on ralentit. Celui-là, ça produit combien? Comment que ça se passe? Mode basse consommation. Ah oui, d'accord. Mode basse consommation réduit la consommation de zorium de 39% mais diminue la production d'électricité. Ok. L'usine entre en mode inactif lorsqu'elle tombe à court de zorium. Impossible d'activer le mode manuel. Revient automatiquement en mode normal quand 10 unités de zorium sont disponibles. Donc là, ça peut être pas mal. Ça consomme 39 de zorium en moins et ça produit 50% d'électricité en moins. Mais c'est pas grave. Pour le moment, c'est bon. Ce que je veux savoir, c'est combien elle est de notre 208 à l'année, combien ça consomme quoi. Ouais, mais ça je m'en fous au final. Ok, bon, pour l'instant c'est bon. On a une récompense de disponible. Tiens, ils nous veulent. Bah tiens, on va plus. Pas d'espace. Pas d'espace. T'es sérieux, mec? C'est-à-dire qu'on est au plein là. Attendez. Que je réfléchisse ou qui a le plus besoin d'habitation. Je dirais peut-être quand même là. On va améliorer ça. On va améliorer ici. Hop. Éventuellement tout ça là, on va faire ok en attendant. Et bon allez, on va améliorer celui-là aussi. On est des fous. Et sélectionner une récompense. Donc ça, pour l'instant, c'est ok. Nouvelle mission disponible. Et faut qu'on recherche l'Antari. Et ça, on l'a toujours pas fait. Pain d'Antari et gruyère d'Antari. Il me semble que c'est ça en fait. Pour faire du pain. Ouais. Le pain et le gruau d'Antari. Ouais, c'est ça. Donc là, normalement, si je fais ça, j'accepte les 18 immigrants. Et on est du coup maintenant à combien? On est à combien en colons? 221. Les postes à pourvoir sont de 79%. Les logements sont de 79%. Et on n'a toujours pas de biens de consommation. Donc éventuellement, il faudrait que je m'en occupe de ça. Est-ce que je pourrais pas voir carte de la structure? Donc ça, on s'en fout. Électricité, logement, ressources. On est bon. On est bon, on est bon. Donc la base, là, ça se passe bien. On voit les gens qui se déplacent tranquillement. En fait, il n'y a pas tant de personnes que ça parce que déjà on manque de nouvelles missions disponibles. Construire 4 bâtiments supplémentaires. Ok. La bouffe, tout ça, c'est cool. Le sirop de maïs. Ah, il y a des gens qui sont pas contents par le trajet. On va fabriquer des sodas maintenant. On va les mettre à fabrication de soda. Éventuellement, on pourra améliorer l'usine. Mais pour l'instant, c'est pas notre but. Ce que je veux, du coup, c'est augmenter les biens de consommation. Centre commercial. Est-ce que je pourrais le placer par ici? Ça fait loin, tout ça. Module de stockage. Ça, éventuellement, tout ça, là, je pourrais les supprimer éventuellement après. Parce que ça sert à rien qu'ils restent là. Ouais. Même ça, là. Module solaire. Ça, tout ça, je pense qu'on va pouvoir supprimer. Toc, on supprime. Je sais pas, faudra qu'on voit ça. Faudra qu'on voit ça. Du coup, centre commercial. Je supprime et du coup, je le place là. Non,
normalement, si je fais ça, je vais pouvoir le placer là. Et je pense qu'on aura un meilleur choix. Pof! Et voilà. Comme ça, il pourra mieux dispatcher un peu tous les bâtiments. Je pense. Après, je peux me tromper, mais... Petit entrepôt. Là, il reste encore pas mal de cuivre. Hein. Et voilà. Donc là, il y a des gens qui vont venir vendre des holo unités, on n'en a pas. Vendre des biens de consommation, on n'en a pas. Et vendre des robots de service, on n'en a pas non plus. Donc, au final, je vais mettre une priorité pas élevée. Je vais mettre une priorité pas élevée parce que je pense qu'il va nous falloir quelque chose dans... Ça va être dans quoi? Ça va être là-dedans? Ça va être peut-être la raffinerie? Éventuellement la raffinerie peut être intéressante. Mais je ne sais pas par où la placer. Ou à moins que je la place là. Ou je peux la placer là. J'ai juste à relier ça comme ça. Et ça, on peut recycler. Voilà. Donc là déjà, ça va nous permettre de gagner un peu de place. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi? J'ai pas fait attention. Voilà. Donc ça c'est bon. Recherche terminée. Ajouter 4 structures. Et du pain au gruau, il faut. Non. Du pain d'Antari. Là, je suis rendu à combien? 4. Hormis les tunnels. Ah bah oui, forcément. Autrement, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Donc, notre raffinerie va être construite ici. Toc. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? De la farine, du pottage, des trucs comme ça. Mais si je l'améliore, ça fait quoi? En fait, je sais pas où c'est que je peux obtenir des biens de consommation. Peut-être là. Importer des holos, importer des robots de service. Ok. Fabriqué dans le synthétiseur de Nanite. Ok, et lui? Donc ça, éventuellement, je peux le fabriquer. Ok, donc le synthétiseur de Nanite, il est où? Notre synthétiseur de Nanite. Bah merde alors. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Centre de données. Ok, ça fait quoi ça? Plan non disponible. Ok, donc ça non. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah tiens, peut-être un hôpital, histoire de dire, hé hey, les gars, soignez-vous. Le petit bar. Pourquoi il veut pas me le mettre là du coup, l'hôpital? Il y a peut-être un emplacement qui... Là, il y a un petit entrepôt, là, il y a un module de stockage. Ok. Tout ça, on va pouvoir recycler du coup. Et on va construire l'hôpital de palier numéro 1. Temps accès acéré en approche. Ah oui, donc c'est tempête. Ok, c'est pas grave. Moi, je veux que vous me construisez ça et qu'on se construise l'hôpital du coup. Comme ça, les gens vont être plus contents, encore plus contents. Tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Et Merde, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est ça.
Il n'y a pas de, de zone d'effet, en fait. Par contre, la qualité de l'air. Ah oui. Ici, c'est pas cool. On va devoir l'augmenter. On va devoir l'augmenter. Du coup, la qualité de l'air, elle est comment? 99, c'est vraiment vers ici, quoi, que c'est pas cool. Toc. Et là, 100%, 99, 97, 100, 98, 95, c'est bon là. 98, ok, 80. 93, ah bah oui. On va en mettre un là. On va en mettre un là. Et bah, éventuellement, ici, on va distribuer un bar de stimulant. Bah, on va le mettre là. On va le mettre juste à côté, comme ça on va fabriquer d'autres trucs. Zone de stockage, il nous faut des entrepôts, mec. Bon, hop, on va le faire par là-bas. Ok, parce que là en entrepôt on est bientôt plein. Du coup, le vaisseau là, il est en transporte les marchandises, c'est cool. On est bientôt à fond. Hein. Le Zorium, ça se passe comment? Non, c'est pas là. On en stocke plus que le nécessaire. C'est très bien. Soda, c'est fait. Éclat tellurien, c'est bon. Du coup. Non, c'est pas là. C'est là. Du gruau d'Antari. Donc il me faut de la farine, du blé, des biens de consommation. Ah! D'accord, on peut fabriquer des biens de consommation avec des nanis ici. Mais d'abord, je vais falloir que tu me fabriques du gruau. Ça me permet de faire quoi? Et là, il me faut de la farine. Ah, on a chopé des nouveaux trucs. Gouverneur, au cours de l'exploration initiale de Vanar, nos exploreurs ont rencontré une étrange forme de vie extraterrestre. Ok. Bien que peu intelligente, cet organisme représente un grand danger pour notre colonie car il peut s'attaquer à nos bâtiments et se développer très rapidement. Nous l'appelons le rampant. Ok. J'envoie les plans des stations de drones épurateurs à votre système de gouvernement. Ok. Nos scanners ont détecté plusieurs spores rampantes en direction du lac non loin d'ici. Ok, d'accord. Donc on a drone épurateur à construire et exporter. Peut-être que c'est par là-bas? Éventuellement, on va le placer là. Pof, on va en placer un là. Donc là, il y en a un ici qui prend tout ça en compte. Et je vais en replacer un là par ici. Par contre, il va me falloir, hop, un zone parce que je pense pas que ce soit automatisé. C'est pas automatisé. Ok, on a bientôt atteint la limite en électricité. Spores rampantes détectées. Ouais, ok. Elles sont où? C'est ça? Eh bah, par contre, du coup, merde. Fait chier parce que du coup, celui qui est là va être juste trop juste. Je vais devoir éventuellement en placer un là. C'est pas grave. C'est pas grave. On va se remettre en vitesse normale. On va laisser ça et ils veulent qu'on exporte des pains d'Antari.
Attendez, parce que du coup là je suis sur 30, 36 000 francs à la fois. Voilà, elle est là. Bien de consommation. Du pain d'Antari, il nous faut de la farine. Comment ça se passe? D'accord, en fait ils font de tout. Il nous va falloir une ferme pour du blé. Merde, je me trompe de touche. 10,6. 11. Waouh, c'était vraiment impressionnant. Vori, vous êtes là? So while we're all slaving away on the colony ship, you've been off picking flowers? If by that you mean has the expedition's only qualified. En gros, ils sont en train de se gueuler parce que y en a un qui est parti, le botaniste qui est pas cueillir des fleurs, et l'autre il dit ah pendant qu'on est en train d'installer la colonie, vous êtes parti cueillir des fleurs. Yes. I cannot wait to see this plant. It sounds amazing. Oh man. Mon Dieu, vous allez adorer la photo de ma fleur Uros. Elle a deux gros pétales roses. Jack, you just ordered a picture of your butt to the entire colony ship. Wait, what? Jack, how many times do I have to remind you about the proper protocols for internal communications? What? No way, you gotta be. No, I meant to send that just to Uros. Instant karma. That's it. I'm suspending your use of Twirtle until further notice. It was a completely innocent mistake, really. I meant to scan the flower and I must have pointed the scanner the wrong way. Donc du coup, on était parti sur la ferme. Immediate action. Sorry about all this, Governor. Hang on. I'm taking the call offline while I delete that twirt. All right, Jack, I deleted that twirt. You can explain yourself to Commissioner Veronica later. In the meantime, perhaps you'd like to introduce yourself to the new colony governor of. Ah, mais là, si après si je bouge le chemin, je pourrais plus accéder par là. Yes, Jack. On va la mettre là. Hop. Oh man. You're a living legend from old earth. Et comme ça. What did you say your name was again? I don't think. Comme ça, on va avoir du blé de produit. Il va falloir qu'on fasse autre chose aussi. Pour l'instant, ça va être très bien. I am honored to be working with you. The governor is not your boss, Jack. 95%. You don't need to brown nose. I'm not brown nosing. I'm schmoozing. There's a difference. Oh. Not the stupid dancing gorilla again. I know you love the dancing gorilla, Vori. Don't try to deny it. And aren't you supposed to be prepping for the Sandy Gulch expedition? Le centre historique de la Terre. We're not all as uptight as Vori. Il va me falloir 360 de nanite et plus d'énergie. Si on passe en mode normal, on a assez d'énergie, mais par contre il nous manque des nanites. Donc on va attendre un peu. Donc ça c'est bon. Et bah éventuellement pour construire les nanites plus rapidement. Comme ça on terminera ça sur ça. C'est dans quoi déjà? Usine de nanites. Paf. Voilà. Donc là c'est bon. On a notre raffinerie qui se trouve ici, qui produit rapidement les trucs. Exporter. Commerce permanent. Pourquoi il fait pas? Ah, ils veulent exporter ça, donc on va faire ok. C'est parti. Bon, par contre, on peut pas avoir plusieurs contrats à la fois. Hein. Ça c'est pas très grave. Du coup l'élanite, ça produit, ça produit, ça produit. Par contre du coup il va me falloir peut-être une autre mine. Toc. Et ici on va raméliorer là. Bon, ça va me retarder un peu la chose du coup. On va accélérer le temps. On va accélérer le temps, on va attendre bientôt les 300 citoyens. Toc, 85, 88. Ça monte petit à petit. On est à 113 là. On est bientôt à fond. Il va nous falloir 26 nanites. Pourquoi on consomme autant de nanites?
Ah, mais si, je sais. Hop. Ça consomme des nanites. Donc là, on va devoir arrêter. Je vais améliorer ça parce que aussi, sinon, on va être vite fait plein. Parce qu'en logement, on est comment? Hop, c'est là. Pouvoir politique, donc ça c'est bon. Morale, capacité de logement, on est à 83, mais là ça a été terminé, je crois. Ouais, c'est ça. Et il nous manque, on a 70%. On est surpeuplé. Wop. Bah tiens, recycle-moi ça. Voilà, c'est bon. On va plus avoir d'immigrants. Par contre. Attendez. On ralentit le jeu parce que je vois qu'on ça descend plus vite qu'au final que ce que je veux. Un type de pain fabriqué à partir d'Antari. Ok, donc ça donne de la nourriture aux gens. Ok. Et est-ce que je peux voir par exemple la qualité nourriture, type de pain fabriqué? Pourquoi du coup 14 cultures de non comestibles, 19 cultures non comestibles. Si normalement on produit 37 de nourriture non comestible. Par contre, je comprends pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce qu'on envoie de la bouffe chez. Exporter 500 unités d'éclat xéno. On n'a pas d'éclat xéno. Par contre, ça m'intéresse. 500 éclats xéno. Donc, le centre de recherche. On va rechercher ça. Et du coup, je peux faire le centre historique de la Terre. Je vais le placer par là. Je ne peux pas. Je l'aurais bien fait par ici, tiens. Ah tiens, si je le recycle. Recycler. On recycle tout ça. Hop. Et on devrait pouvoir terminer la mission du coup. Ah, on peut faire aussi un stade. Accueil des événements sportifs et des courses de drones. Cette structure est onéreuse de très longue. Ok, il y a un référendum. Tout le monde a un coût élevé de maintenance. Non, je ne peux pas. J'ai fait ça pour rien. Je suis déçu. Par où que je peux le placer là du coup? Éventuellement, on va le mettre là. Et on verra bien. Parce que là, il veut pas me le mettre par ici. Salaud. Toc, je réfléchis là. Je réfléchis comment je pourrais le mettre. Attends, mais ralentis un peu le temps parce que là, du coup, au final, tu vas trop vite. J'ai pas le temps de réfléchir. Autrement, on le met là. Voilà. Et du coup, ça faudra qu'on reconstruise, du coup. Hein. Merde. Ok. Exporter 500 unités d'éclat de machin. L'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Utiliser des nanomédicaments et... J'en ai pas. Là. Ok. On va le mettre en normal.
Priorité de construction, on va le mettre élevé. Ici, on va améliorer ça. Comme ça, ils vont pouvoir du coup construire plus rapidement. Parce que là, j'ai que deux drones, comme vous pouvez le voir. Et éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je peux afficher la portée ? Toc. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je verrai bien. Ah non, je ne peux pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... annuler ça et placer un truc comme ça ici. Ici, je vais le mettre en faible. Et là, je vais le mettre en élevé. Comme ça, ça va retarder un peu la chose, mais ils vont construire un peu plus rapidement. Donc, on va terminer sur ça. Allez, hop. Voilà. Comme ça, il y a plus de drones qui construisent. Le moral est super bon. On va continuer de regarder l'air. 99, 95, ok. Éventuellement, je vais pouvoir leur dire de hop, fabriquer un truc pour l'air, ici. Et on va continuer de regarder un peu l'air. Par contre, on est... faire fonctionner le centre d'électricité pendant une seule. Ok. On va ralentir. Par contre, on consomme vachement beaucoup de bouffe. Et ça, c'est pas cool. Donc ça, on va limiter le... Pareil pour là. Hop. 23 divertissements et de morale. Je veux vraiment qu'ils produisent plus de... Utiliser du potasse. Du potassium. Il y a 50 potassium de disponible, mais de pot... c'est du potasse. Non, c'est du potasse. Et comment qu'on en cultive du potasse? Peut-être que c'est là? Non. Ça doit pas être là-dedans, hein, je pense pas. Polish, pain, farine, bien de consommation, non. C'est moi ou... Ça l'affiche pas ou je ne sais pas, c'est bizarre. Du potasse. Ouais, bizarre. Peut-être que c'est à la recherche qu'on peut trouver quelque chose. Potasse, pain d'épices. Non, 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 on peut pas, on peut pas. On ne peut pas, tant pis, tant pis. Bon bah là, ok. Et ici, on peut distribuer moins 25% de criminalité. Ok. Donc par contre, on produit pas assez de bouffe, hein. Alors, en inventaire, on est comment? En inventaire... Bon, de toute façon, on va laisser... Ok, on va laisser le jeu au maximum. Et une fois que ce sera fait, normalement, on devrait terminer, terminer ça correctement. Un sol de plus, ouais, vous voyez. Pof, ça monte. Ça monte, ça monte. Ouais, tout le monde est content. Et l'hiver est terminé. Ah, et on remonte en positif. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc là, là franchement, je bac la fin de la vidéo, on va dire ça comme ça. Dans le sens où j'accélère à fond. Pof. Shipes, ils sont contents. Bien joué, gouverneur. Donc là, normalement, on devrait avoir... Nous nommons un nouveau gouverneur débutant dans notre colonie.
C'est bon, on va se barrer. Vous rendre dans une région désertique appelée Sandy Gulch pour y implanter une nouvelle colonie minière. Ok. Ok, ok. Bon, victoire, vous voyez, succès, champion de Vanar. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ça, c'était, on va dire, les trois épisodes sur Vanar. Et on va se retrouver, du coup, très très vite, annoncer la victoire. Ah, qu'est-ce que tu nous dis? On va annoncer la victoire. Ça a été plutôt bon. On va, tiens, retourner au rang principal, au menu principal pour arrêter la vidéo. Et vous voyez que maintenant, gouverneur, votre rang actuel, je suis gouverneur, toujours pareil. Président, terminé. Ah oui, pour devenir président, faut que je termine Valley of Dead. Pour devenir chancelier, faut que je termine le Sandy Gulch. Ok. Je sais pas du tout ce que ça m'apporte. Hein, je pense que c'est juste des petits trucs qui coulent. Je vous fais des bisous, je vous remercie, et puis on se retrouve du coup très vite pour le premier épisode sur Sandy Gulch. Des bisous, c'était Soy. A très vite.